Salut tout le monde, c'est Jessie, parce que oui, maintenant on est deux sur cette chaîne YouTube, c'est pour ça que l'intro a changé. Et aujourd'hui, on va du coup, Clara n'est pas là, je vais vous présenter, je sais même plus combien, alors attendez. 7 chaînes YouTube qui vont de 12 abonnés à 8,9k, donc d'accord, jusqu'au 8k, c'est quand même, ça commence à se connaître un peu, mais je pense que toutes ces personnes là en méritent beaucoup plus pour le travail qu'elles accomplissent. Et je sais que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, que voilà, mais si vous passez par là, je vais vous donner peut-être quelques conseils, vu que je regarde des vidéos et etc. qui pourraient plaire aux gens, etc. Donc, c'est parti! I danced in the desert in the pouring rain. Drank with the devil and forgot my name. Woke with somebody when the morning came. No one there to shame me for my youth. Cause it wouldn't be with you. And then I found me a lover who could play the bass. He's kinda quiet, but his body ache. Spent the days dreaming and the nights awake. Doing things we know we shouldn't do. Cause I wouldn't be with you. Says he can't believe he found me. Wraps his arms around me. Sachez que tous les conseils que je pourrais vous donner, etc., c'est pour améliorer la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, etc., ça fait toujours plaisir d'en avoir pour évoluer un peu sur YouTube et tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre vos avis, etc., en commentaire. Et du coup, je le dis maintenant. Et n'hésitez pas, du coup, à aller vous abonner à toutes ces personnes-là pour les soutenir, etc. Donc j'essaierai de vous mettre les liens des chaînes YouTube dans la barre de description. Et si je peux pas mettre le lien de la chaîne YouTube directement, je mettrai d'une vidéo. Donc voilà. On va commencer avec Un rêve de cavalière 16 qui a 12 abonnés et qui présente un peu son quotidien avec les chevaux. Et je sais que sa dernière vidéo, il me semble, c'était avec son lapin, un peu une routine, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc moi, si j'avais... Alors, j'avais quelques conseils à te donner. C'était déjà de mettre une photo de couverture. Donc, du coup, tu dois sûrement avoir YouTube Studio. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc, si tu as YouTube Studio, si tu l'as pas, n'hésite pas, du coup, à l'installer. YouTube Studio, ça va avec YouTube. Pour les chaînes YouTube, etc. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, il faut cliquer sur miniature... Voilà, c'est miniature, parce que tout à l'heure, je me suis trompée. Une miniature personnalisée, et après il faut valider ton compte, etc. Et moi je l'ai fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une miniature. Donc ça incite beaucoup les gens à venir voir ta vidéo, etc. Et on s'attend un peu plus à ce qu'on va voir, donc voilà. Après, par exemple, je sais que tu fais aussi, si tu passes par là, du coup je te tutoie. Je sais qu'il y avait une vidéo que j'ai regardée où tu avais fait juste un peu un résumé de ta séance sans vraiment de vidéo, où par exemple tu as dit que tu avais sauté à cru, mais il n'y avait pas de vidéo quand je sautais à cru, etc. Donc quand tu fais des vidéos, quitte à que ça soit quitte à ce qu'il y ait moins de vidéos, essaye de mettre plus d'images, de parler, etc., que de tout écrire ou des choses comme ça. Après, si tu veux pas montrer ton visage, des choses comme ça, c'est pas grave, mais dans le sens où je sais pas comment expliquer. En fait, on n'a pas de vidéo, on peut pas, donc après c'est j'espère que tu verras cette vidéo du coup pour les conseils, mais du coup on s'attend pas, enfin
à la fin, c'est pas très très intéressant parce que tu nous fais juste un résumé. C'est comme si à la nuit, tu nous parlais, tu disais, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait j'ai sauté à cru, et puis après on allait ramener les pommes, etc. Donc moi je te conseille de plutôt montrer des vidéos, quitte à ce que ce soit moins régulier, des vidéos que tu postes, etc. Et comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, on passe à Ambre Enco. Donc elle a 150 abonnés et elle présente des vidéos sur ses poneys. Donc ces vidéos, j'ai pas de conseils à te donner parce que j'aime vraiment ta vidéo, je les trouve vachement sympa. C'est bien filmé, etc. Donc j'ai pas vraiment de conseils à te donner. Je trouve que c'est vraiment cool ce que tu fais, etc. Donc je serai passée très vite sur ce compte, mais c'est un très bon compte, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc même à Arabe de Cavalière 16, c'est pareil pour donner des conseils si vous en avez, parce que moi personnellement je n'en ai pas pour en vrai, parce que je trouve que ce que tu fais est vraiment top. Et si donc, toutes les personnes que je citerai sur cette vidéo vous passez par là, n'hésitez pas à me donner des conseils, etc. Et ben voilà, en fait, c'est pour que la chaîne YouTube évolue. Donc après, c'est Alice au pays des poneys. Donc j'adore le nom, clairement. C'est vraiment cool. Donc elle a 184 abonnés et elle fait des vidéos du coup avec son poney. Donc moi j'aime bien tes vidéos, elles sont sympas, etc. La qualité est cool, etc. Tu fais de très belles miniatures d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas vraiment de conseils à te donner, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et n'hésitez pas à aller vous abonner pour la soutenir, parce que il manque plus que 7 abonnés, si je ne me trompe pas, parce que là je fais un peu de tête, voilà. Et elle aura les 600, après il manque 8 abonnés pour un rêve de cavalière 16, elle en aura 20, etc. Enfin vous voyez le truc. Après on a Erwin SFK, donc qui a 3,7K. Donc elle fait des vidéos avec son poney Erwin. Donc désolée si je regarde vachement loin, en fait j'ai ma petite feuille avec toutes les informations montées dessus. Voilà. Donc elle fait des vidéos avec son poney Erwin, etc. J'ai pas vraiment de conseils à te donner parce que c'est sympa ce que tu fais, etc. J'ai pas vraiment de conseils parce qu'après j'ai mis des conseils basiques comme être une miniature, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Après, c'est QNB Oriane qui a 4,2K. Alors, c'est avec ses trois poneys. Donc, QNB, c'est pour les premières lettres des chevaux. Donc avec ces trois poneys, moi je sais que j'avais vu la vidéo défi d'ailleurs qui m'avait fait bien rire. C'était, elle fait vraiment de super vidéos, elles sont vraiment top, etc. Donc je vous invite encore une fois à aller vous abonner, faire un tour sur le compte, lui donner des conseils si vous trouvez qu'elle a des problèmes, des choses comme ça. Donc voilà. Après on va passer sur une chaîne YouTube que j'aime vraiment énormément, c'est Rivalissa. Donc qui est félicitation, qui a 5,54K et elle a deux poneys, donc c'est Siwal et French Kiss. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ces vidéos, elles sont passionnantes à regarder. Elle fait vraiment des vidéos avec ses poneys et sur son quotidien, de quelque sorte, elle peut pas trouver des tailles, des choses comme ça. En tout cas, je n'ai pas vu ces vidéos si tu en as fait. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner, c'est vraiment une super chaîne YouTube d'ailleurs pour toutes les personnes que je présente. Si je les présente, c'est quand même, je trouve qu'elles sont vraiment cool, malgré qu'il y ait peut-être des petits défauts comme avec certaines personnes. Mais voilà, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir cette chaîne YouTube. Et juste un tout petit conseil, mais voilà, j'ai l'impression que tu parles super vite. Je sais pas si c'est moi, mais à des moments sur tes vidéos, j'ai même pas le temps de comprendre que t'as déjà fini ta phrase, donc essaye de parler un peu moins vite parce que je pense que certaines personnes ne comprendront pas forcément tout ce que tu dis. Donc après on a du coup Revan, donc Revan TV chaîne équestre qui a 8,9K. Donc allez vous abonner en masse pour qu'elle arrive au 9K.
Donc elle, elle a des vaches, des ânes et des chevaux. Donc elle a Ifi et la sa jument, c'est une tricotoise, je crois. Et j'ai bien d'avoir un trou de mémoire. Donc allez voir leurs vidéos, etc. Comme ça, bon, vous aurez du nom, des informations, etc. Et vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que c'est quand même des comptes qui méritent d'avoir plus d'abonnés, qui en méritent beaucoup plus. Donc voilà, allez vous abonner. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des conseils à me donner, etc. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, etc. Ça fait vraiment plaisir, ça va. Donc tout ça c'est pour me soutenir et pour soutenir les petits comptes. Donc cette vidéo je l'ai fait parce que je suis un peu dans le même cas, voilà, j'ai laissé abonnés, c'est pas énorme. Après moi je veux pas être connue. Mais bon, après j'ai débuté la passion, c'est tout ça. Et bon, vous voyez, ça fait toujours plaisir d'être soutenu par beaucoup de monde. Donc ces personnes méritent vraiment plus d'abonnés. Donc allez vous abonner si vous voulez. Ça me ferait et ça leur ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc toutes les personnes qui voient cette vidéo, même si vous n'êtes pas abonné, quoi que ce soit, si vous voulez aller me soutenir, ça leur ferait vraiment plaisir et à moi aussi. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. pour me soutenir. Et la vidéo présentation du coup arrivera sûrement la semaine prochaine. Et je vous... Et je vous souhaite une bonne journée, etc. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et du coup, les liens des chaînes YouTube seront sûrement en barre d'information. Donc, foncez, allez vous abonner. Voilà, c'est mon dernier mot. Maintenant, je vais vous laisser partir. Allez, ciao !